Bonjour et bienvenue sur notre programme de prière et de méditation matinale. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes contents pour nous capables ensemble avec vous matin pour nous méditer la parole de Dieu. Et c'est en grâce à bon Dieu fait nous, si nous dormons, nous réveiller pour nous là matin. Nous disons merci à vous-même qui toujours prend du temps pour méditer la parole de Dieu avec nous. Que bon Dieu bénisse et bien nous prions le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Seigneur, encore une fois, nous approcher devant. Oui, papa, merci. Merci, Seigneur, de ce que nous t'ai dormi, nous réveillé. Oui, Seigneur. Merci pour grâce qu'on fait, non. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour protection divine, ou toujours monter la garde pour nous-mêmes, Seigneur. C'est vous-même qui veillez, non, grand Dieu tout-puissant, papa. Merci, Seigneur. Merci pour toute bagaille, grand Dieu tout-puissant. Maintenant, nous remettons le programme dans la main. Nous demandons, Seigneur, que Saint-Esprit capable éclairer nous à travers parole, papa. Avec nous, Seigneur, prends contrôle de toute bagaille, Seigneur. Nous levons nos chers auditeurs et auditrices, nos chers téléspectateurs et téléspectatrices, nos chers internautes, frères et sœurs et amis, chaque monde qui a médité ensemble avec nous, Seigneur, nous demandons d'encourager mon Seigneur matin, fortifier le Seigneur dans Dieu Tout-Puissant. Faire capable d'identifier les preuves que la donne dans Dieu Tout-Puissant. Et reconnaître c'est pour bien, non, Seigneur, qu'on éprouve nos papas. Et que d'un jour, Seigneur, nous va recevoir couronne de vie de tout le monde qui remet, Seigneur, mon papa. Merci, Seigneur, avec nos grands Dieu Tout-Puissant. Que tout ça qu'il a dit, il aura dit pour gloire, non, et pour gloire, non seulement, Seigneur. C'est comme ça, nous prions dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au cercle des siècles. Amen. Bienvenue encore une fois, mes chers amis, sur notre programme de prière et de méditation matinale. C'est toujours un heureux plaisir pour nous capables là, ensemble avec vous. Matin, nous allons aller voir comment faire face à l'épreuve. Comment faire face à l'épreuve. Si nous avons une épreuve, c'est pour capable identifier. C'est très important ça. Ou pas qu'à dire que nous avons une situation, ou nous avons une crise, ou nous avons un problème, nous avons une tête chargée. Pour pas connaître ça là-dedans là. C'est pour connaître. C'est vous qui priez, mais c'est pour connaître, oui. C'est pour connaître qui ça cap traverser. C'est pour connaître l'épreuve que bon Dieu lui-même lui met tôt là-dedans là. Si toutefois, c'est dans une épreuve qu'on y est. Songez que m'te dit comme ça que une épreuve, de façon générale, c'est un moyen que bon Dieu lui-même lui utilise pour développer foi chrétienne. Non? Vous comprenez? Eh bien. Et si toutefois c'est une épreuve qu'on y est, c'est pour capable identifier qui ça bon Dieu lui-même la pensée ou à travers épreuve ça. Et gen bagay ko la dan, c'est pas épreuve que l'on te dit ça déjà. Gen bagay ko capable trouver la dan, c'est responsabilité nous-mêmes, c'est propre erreur non ou bien faute pas nous-mêmes, et bien c'est conséquence nous, comprendre, conséquence ça que nous te fait et c'est ça que lié, c'est pas une épreuve que l'on. Et moi, tu es tentation ensemble avec vous dans Jacques chapitre 1, verset 12 et 13. Nous te vois que Jacques te parlé de tentation. Li, tentation, il te baille deux significations là. Dans verset 12, il te montre nous que tentation, c'est une épreuve ou bien un test. Et dans verset 13, Jacques te fait nous voir que tentation, c'est une attirance vers le péché aussi. Oui, nous te parlé de toute bagaille ça, mais maintenant. Comment faire face à l'épreuve? Et c'est pour identifier l'épreuve là et pour capable faire face à lui-même. C'est comment on va faire ça? Premièrement, identifier l'épreuve là, connaître qui épreuve là-dedans, gain épreuve qu'on capable là-dedans, si on épreuve d'obéissance que lui. Oui, bon tu as demandé pour obéissant, c'est ça, l'épreuve, c'est pour capable obéissant. Gain épreuve qu'on là-dedans, eh bien bon Dieu, il faut connaître que c'est pour humble, c'est pour pas orgueilleux. Il y a une épreuve qu'on a dans, ça, bon Dieu, a montré dans l'épreuve là, pour qu'il salme tout dans l'épreuve là, et bien, livré pour capable vivre dans la sanctification. Vous comprenez? Pour marcher dans la sanctification, et bien, bon Dieu, éprouve vous. Vous comprenez? Et il y a une épreuve tout, c'est dans un combat qu'on y est, bon Dieu, a montré le discernement, et il y a un pile bagage, il y a un pile épreuve qu'on est capable de trouver là-dedans, mais l'essentiel, c'est pour capable identifier l'épreuve qu'on a dans là. On regarde quelques exemples à travers la Bible, ni dans l'Ancien Testament, tant qu'on a Nouveau Testament, quelques épreuves. Regardez dans l'Ancien Testament, d'abord ensemble avec moi, le peuple Israël, pendant qu'il était sorti en Égypte, et bien dans le désert, il t'a pas le connaître.
plusieurs épreuves. Gardez d'abord ensemble avec moi épreuve d'obéissance que vous connaissez dans Exode chapitre 15 verset 25. Exode chapitre 15 verset 25 m'appelle pour vous. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Mes chers amis, nous voyons que Moïse te prié bon Dieu et puis et Moïse prend un bois, il a gagné de l'eau et de l'eau vint douce et c'est là que yo même yo te éprouvé. Sous lire tout et Exode chapitre 15 et même chapitre 16 à tout, ou après c'est une épreuve d'obéissance que yo même yo te trouvé yo là-dedans. Gè l'autre épreuve tout que yo te connais, gardez dans et Exode, même Exode là, Exode chapitre 20, verset 20, là, yo t'a pral konnen yon épreuve qui c'est yon épreuve de confrontation ou bien noté carré le tout, de sanctification. Vous comprenez, regardez Exode chapitre 20, verset 20, Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Mes chers amis, nous voyons que eh bien, le peuple Israël te connaît une épreuve qui c'est l'épreuve de la confrontation. Eh bien, bon Dieu te mettait à l'épreuve, c'est pour être capable de gagner craintif pour bon Dieu, vous comprenez, et pour ne pas pécher. Et c'est très important ça, gagner épreuve, vous dites, qu'on est capable là-dedans, eh bien, bon Dieu voulait pour quitter un péché, bon Dieu voulait pour et sanctifier la vie, vous comprenez. Et pendant n'a dit ça, il y a monde qui a dit que bon Dieu pas besoin éprouver ou pour sanctifier et n'a pas la ça fait ça à cause de la venue de Jésus-Christ. Et bien Jésus-Christ lui-même t'est bon en position et qui fait que nous c'est saint. Nous connaît que oui, mais au gain plusieurs types de sanctification, gain plusieurs étapes dans sanctification et gagner sanctification positionnelle, c'est ça que Jésus-Christ ben nous a, et gagner sanctification pratique ou bien progressive et même sanctification et glorification ou bien de perfection, c'est là que nous va et dans la gloire. Et c'est pas de sanctification à parler, nous retourner là, mais bien et dans sujet nous voyons que oui que ou capable à gagner yon épreuve côté que pour capable vivre dans la sanctification. Exactement. An gade yon l'autre épreuve que le peuple Israël yon même yon te connaît. Et gade épreuve de la séduction, ou bien épreuve d'amour. Oui, c'est très important ça. So gade ensemble avec moi dans Deutéronome chapitre 13, verset 3. Là, c'est yon épreuve côté que bon Dieu te mette là-dedans pour yon te capable prouver l'amour bon Dieu. Vous comprenez, c'est pas dans prophète ni dans monde qui a songe, mais c'est dans amour que vous devez gagner pour bon Dieu. Gardez très rapide ensemble avec moi. Deutéronome chapitre 13. Deutéronome chapitre 13, verset 3, m'appelez pour vous. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Là aussi, nous sommes capables de dire une épreuve de discernement, vous comprenez, et discerner l'amour de Dieu, discerner, et parce que le prophète et le songeur, c'est pas moun sa yo pour écouter, mais c'est pour écouter la parole de Dieu, pour capable remer bon Dieu de tout cœur ou et de toute âme. Eh bien, on regarde yon l'autre épreuve tout, qui c'est épreuve de la guerre, dans juge. Nous connaissons, et sous lire tout livre juge là, ou après, et le peuple Israël te connaît en pile et situation côté que bon Dieu a demandé pour repentir pour sortir dans ça que ya malgré et bon Dieu délivre yo nan mais plusieurs autres nations tourne péché encore désobéissance rébellion incrédulité nous voit toute bagaille ça yo et bien yo t'a pas le connaît épreuve de guerre gardez dans juge chapitre 2 versets 22 et 23. Juge chapitre 2, versets 22 et 23. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve pour savoir s'ils prendront garde
ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. Dans le Nouveau Testament aussi, eh bien, gagner quelques épreuves. Jésus était éprouvé, on dit, c'est gardé ensemble avec moi, dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 6, versets 5 et 6, avant la multiplication des pains et des poissons, eh bien, Jésus-Christ était poser un disciple en question, c'est pas parce que Jésus-Christ pas te connaît, non, mais c'est pour te éprouver disciple ça, et disciple ça, c'était Philippe. Et Jean chapitre 6, versets 5 et 6, ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Son question Jésus qui posait à Philippe. Et puis, regardez qui ça, et verset 6, ça dit, « Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. » Jésus te dit Philippe ça, c'est pour te éprouver parce que Jésus te connaît bien qui ça que tu as fait. Regardez tout apôtre Paul et apôtre Paul lui-même, il était éprouvé et le peuple Corinthe. Regardez 2 Corinthiens chapitre 8 verset 8. Là c'est une épreuve de sincérité à la charité. Regardez 2 Corinthiens chapitre 8 verset 8 qui ça apôtre Paul te dit, oh, je ne dis pas cela, ça c'est apôtre Paul qui a parlé. Il dit, je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. C'est pour connaître l'épreuve qu'on a dans là, l'épreuve qu'on trouve là dans là, c'est pour capable identifier qui épreuve que l'est et pour capable faire face à l'épreuve. Eh bien, comment faire face à l'épreuve? Comment faire face à l'épreuve? Premièrement, bon premier fondement qu'on doit connaître. La repentance. La repentance, c'est une doctrine que journée jodia yo négligé et qui est impopulaire. La repentance. Repentance, ça ne veut pas dire remords, regret, non. Ni crier, non. On est capable de gagner remords. Vous comprenez? On est capable de gagner regret ou pas repentir. C'est pour nous faire très attention avec ça. Pendant que je dis ça, des bons prédicateurs, un évangéliste qui chaque l'a prêché, eh bien, li ta vle pour moun crier et puis pour dire moun sa yo repenti. Mes chers amis, crier pas repentance sans dès. Prédicateur là chaque l'a prêché, si moun pas crier, ça veut dire pas gen moun qui repenti. Et c'est comme ça té kon ancien dans assemblée qui dit pour qui sont ta vle pour l'ont prêché faut qu'on ta crier pour yo repenti. Il dit oui, mais c'est à travers les moun nan crié, ou ap senti moun nan gon remords, yon regret, bon changement qui fait, li pas d'accord pour nan sa ke liye a. Pas d'accord nan sa ke liye a, pa vle di ou change ou ça, non? Comprenne? Et repentance pas crié, repentance pas remords. Eh bien, si c'est pour ça, on garde Judas. Judas pas te fait yon vraie repentance. Vous comprenne? Judas te gen remords, c'est vrai, mais Judas pas te repenti. Et en après, nous voyons Judas t'a pris tête lui. Gagne la vraie repentance, hein? Et repentance gagne un fruit. Les fruits de repentance, il faut qu'on capable connaître ça. Et nous voyons un pile monde qui parle des soi-disant repentants qui parle périr dans l'enfer. Oui, des soi-disant repentants, monde qui pas repentir vraiment. Et les que vous faites mon prier pour même si vous avez fait 50 prières pour vous, ça va me dire vous repentir pour ça, non? Repentance pas ça. C'est vrai, repentance, c'est détourner du péché, mais c'est un changement d'avis qui peut être un changement dans le comportement. Vous entendez bien ça, Mzoula? Repentance, c'est détourner du péché, mais c'est un changement d'avis qui peut être un changement de comportement. Et ça, ou même, ou pas qu'à faire, non? C'est celle bon Dieu qui a fait un monde repentir. Vous entendez bien ça, Mzoula? C'est celle bon Dieu qui pousse un monde à repentir. Ça, c'est très important, c'est pour connaître ça. Premier bagage qu'on doit connaître dans une épreuve, c'est pour repentir. C'est pour repentir. Et c'est une vraie repentance pour faire pendant que vous trouvez dans une épreuve. Identifier l'épreuve là, pardon. Identifier l'épreuve là, et puis repentir.
repentir. Ça, c'est le premier bagage qu'on doit faire. On garde tout. Il y a un deuxième fondement qui gagne. Gardez ensemble avec moi. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, et un verset qui en pile nous connaît, ça c'est l'authenticité de la parole de Dieu. L'authenticité de la parole de Dieu, 2 Timothée chapitre 3 verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu. 1. Utile pour enseigner, 2. Pour convaincre, 3. Pour corriger, 4. Pour instruire dans la justice. Waouh. Mes chers amis, la parole de Dieu, c'était poussé par l'Esprit Saint, il y a plusieurs types d'esprit, et pas parole, les hommes, poussé par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, que les hommes eux-mêmes, ils ont écrit parole bon Dieu. Ça veut dire que l'auteur de les saintes écritures, eh bien, c'est le Saint-Esprit, c'est bon Dieu même qui est auteur de la parole de Dieu. C'est bon Dieu qui est auteur. C'est ça. Gardez qui ça et Paul t'a dit Timothée pour affirmer de manière catégorique. Vous comprenez? Nous connaît que dans l'époque que Paul lui-même lui t'a écrit Timothée lettre ça, ça veut dire que Paul t'a parlé de l'Ancien Testament pour qu'on gagne le Nouveau Testament. Eh bien, Paul t'a dit Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. Sorti dans bon Dieu, c'est bon Dieu qui inspire, vous comprenez, les hommes pour être capable d'écrire, eh bien, est utile pour enseigner. Regardez le mot utile ensemble avec moi là. Et là, nous voyons que est profitable. Le mot utile ici, c'est profitable. Nous voyons tout, c'est indispensable ici. Vous comprenez, c'est salutaire ici. Toute écriture est profitable. Toute écriture est indispensable. Toute écriture inspirée de Dieu est salutaire. Ouais, c'est ça. C'est très important. Et puis, regardez qui ça qui dit pour enseigner. Donc, on est bien, c'est Saint-Esprit, mon Dieu, qui est capable d'enseigner la parole de Dieu. C'est Saint-Esprit, mon Dieu, qui connaît les profondeurs de Dieu. Les hommes pas capables de connaître bagaille ça. Vous comprenez? C'est Saint-Esprit, mon Dieu, qui connaît les profondeurs de Dieu. C'est Saint-Esprit, mon Dieu, qui connaît bagaille, mon Dieu. L'homme, apôtre Paul dit ça, l'homme connaît bagaille. Les hommes, mais Saint-Esprit, mon Dieu, connaît bagaille, mon Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Vous comprenez? Est utile, indispensable, profitable, salutaire pour enseigner. Numéro 1, pour enseigner. Là, nous est très important pour enseigner. Nous est la parole de Dieu lui-même qui fait un petit changement dans la vie des hommes. La parole de Dieu forme les hommes. Vous comprenez? La parole de Dieu pote en pile discipline dans la vie des hommes. C'est ça la parole de Dieu fait moun, vous comprenez? Eh bien, pendant qu'on a épreuve là, c'est pour gagner une attirance envers l'écriture. Faut qu'on gagne une attirance. Non seulement faut qu'on lire la parole de Dieu, mais pratiquer la parole de Dieu dans la vie. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Non, ouais, utile pour enseigner, eh bien, en garder tout. Et l'autorité intangible de la parole de Dieu, vous comprenez, et garder convaincre. Nous avons un pour enseigner, deux pour convaincre. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. La puissance, la parole de Dieu gagne puissance pour le capable convaincre le monde de péché. Et mais c'est par le Saint-Esprit qui fait travail ça. La parole de Dieu gagne puissance pour le convaincre, pour l'ouverger. Monde ça que l'in en péché et pour le capable changer, pour le capable transformer. Ouais, c'est la puissance de la parole de Dieu. Il convainc l'homme. L'écriture produit des convictions. Oui, il produit des convictions spirituelles dans nous-mêmes. C'est ça que la parole de Dieu lui fait. Et c'est ça que fait nous, il est capable de mener nous à
un monde qui connaît ça, qui est vrai. Parce que la parole de Dieu, l'écriture est vraie. La parole de Dieu, c'est la vérité. Lui mène nous par rapport à le Saint-Esprit, eh bien, dans toute la vérité. C'est ça, Jésus-Christ, lui-même, il était dit disciples, eh bien, il a voyé un consolateur qui pour conduire nous dans toute la vérité, qui est la parole de Dieu. Il a conduit nous dans la vérité, qui est la parole de Dieu. Gardez tout corrigé. Yes, nous avons un pour enseigner, deux pour convaincre, trois pour corriger. C'est ça, M. Abdoula. La parole de Dieu, il corrige nous, il discipline nous, il forme nous. C'est ça, c'est pas parce qu'il y a mal que la parole de Dieu lui-même fait. Parole les hommes, ça c'est une grande différence entre parole les hommes et parole bon Dieu. Oui? Vous comprenez? Et parole les hommes, lui-même, il corrompt les hommes. Mais la parole de Dieu, l'écriture, les saintes écritures, lui-même, lui former nous, lui discipliner nous. Vous comprenez? C'est pour nous capables de mettre en pratique, lui redresser nous. C'est ça que lui-même, lui fait nous. Toute écriture est inspirée pour corriger. Ouais, pour corriger, pour redresser. Vous comprenez? Pour mettre en pratique. C'est ça, exactement. Vous comprenez? Nous voyons tout, li restaurer nous, li changer nous. Alléluia. C'est ça, moun que nous t'ayons auparavant, nous pas même moun ça encore, parce que la parole de Dieu li régénérer nous, li transformer nous, li restaurer nous, li réparer nous. Vous comprenez? Li redresser nous. Si toutefois qu'on mette en pratique, oui. C'est ça. Et puis, gardez quatrième, nan, la toute écriture est inspirée pour instruire dans la justice. Former croyants, yo, vous comprenez, li élever nous, vous comprenez, gardez 2 Corinthiens chapitre 10 ensemble avec moi pour nous voir qui ça et la parole de Dieu fait dans l'instruction. Dans l'instruction, c'est très important ça. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5, très rapide. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Amen. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Où est ça? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Eh bien, la parole de Dieu lui-même, eh bien, lui élever nous, lui former nous. Vous comprenez? Pour nous qu'à marcher dans la pratique de la justice. C'est très important. En garder un troisième fondement. Et l'important pendant que vous trouvez dans l'épreuve là, non seulement identifier l'épreuve là, mais pour capable de repentir. C'est ça que vous faire face à lui-même. Repentir, eh bien, gagner une attirance vers l'écriture. Et troisièmement, eh bien, c'est pour capable gagner une relation ensemble avec prochain ou tout. Ouais, c'est très important ça. Gagner une très bonne relation ensemble avec prochain. Et c'est une relation qui est juste et correcte. Gardez Matthieu chapitre 18 verset 15 à 17. Là, Jésus-Christ lui-même l'étape dit comment que les nous gagnons problème ensemble avec frère nous et comment que pour nous traiter ça. Et Matthieu plutôt chapitre 18 verset 15 à 17. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Verset 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Au lieu que vous êtes en courrier, allez le l'autre monde raconte les problèmes qu'on gagne ensemble avec frère, ensemble avec soeur, relez le premièrement et parlez ensemble avec lui. S'il pas écouté ou prend deux ou bien trois témoins, et bien mettez le cas devant eux ensemble avec lui. Et bien s'il refuse toujours, relez le devant l'église. Et s'il refuse d'écouter l'église, et bien considérez-le tant qu'on est païen, tant qu'on est publicain. C'est ça. Mais c'est pour nous capables de gagner pendant qu'on a épreuve là, c'est pour gagner une très bonne conduite, une très bonne relation, une relation juste et correcte avec moun qui bon côté. Gardez tout et Matthieu chapitre 6 verset 15.
pendant qu'on a épreuve, ou pas casser monde qui rancunier, ou pas pardonner pour chien. Regardez Matthieu chapitre 6 verset 15, c'est la prière que Jésus-Christ lui-même lui t'a enseigné aux disciples, et bien de façon que pour connaître comment pour prier. Regardez verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Oui, c'est après l'enseignement de la prière que Jésus-Christ lui-même lui t'a fait à disciples, et bien il t'a continué pour le dire, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ou pas pardonner à moun qui bon côté homme pareil, et bien papa nous-mêmes lui-même qui c'est bon Dieu, il pas pardonner nous tout. C'est très important mes chers amis, pendant que on a épreuve, il y a plusieurs autres fondements que nous t'ai ensemble avec vous, nous ouais trois fondements seulement ensemble avec vous après qu'on fin identifier épreuve qu'on a dans là. Et bien premier fondement c'est repentance, et deuxième fondement et bien c'est une attirance vers l'écriture, et troisième fondement nous ouais c'est relation ou même son avec un prochain ou relation qui juste, relation qui correcte. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu protège, que à partir de maintenant, pendant qu'on trouve une épreuve, pour capable identifier l'épreuve là et pour capable faire face à lui-même par la repentance et attirance envers la parole de Dieu qui est la des saintes écritures, et puis tout relation qu'on doit gagner ensemble avec prochain. Nous connaissons que pendant qu'on trouve dans l'épreuve, ce n'est pas bagaille qui facile. Mais mes chers amis, si que ou même vous êtes dans la prière, vous comprenez, dans la méditation de la parole de Dieu, vous maintenez une très bonne relation ensemble avec frère, avec sœur, et pas oublier, c'est pour capable de repentir. C'est pour capable de repentir. Eh bien, nous prions le Seigneur. Dieu de grâce, à Dieu de bonté, encore une fois, nous approcher devant grand Dieu Tout-Puissant. Nous disons merci, Seigneur, pour enseignement, grand Dieu Tout-Puissant, bon papa. Nous pas capable comprendre parole vraie, Seigneur, si c'est pas Saint-Esprit seulement qui pour révéler nos paroles là, Seigneur, qui pour faire nous comprendre, grand Dieu Tout-Puissant, mon papa. Merci, Seigneur. Merci pour cette vérité, Seigneur, mon papa. Oui, grand Dieu Tout-Puissant, aidez-nous, Seigneur, mon papa, à discerner, grand Dieu Tout-Puissant, ça que qu'à traverser nous pour nous connaître exactement, Seigneur, et de qui ça que vous avez prouvé nous pour être capable d'identifier si c'est épreuve d'obéissance ou bien si c'est épreuve, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, d'amour, de sanctification, ou bien si c'est épreuve de confrontation, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant. Aidez-nous, Seigneur, pour nous capables de connaître quel type d'épreuve, Seigneur, mon papa, que nous-mêmes, nous là-dedans, grand Dieu Tout-Puissant. Et c'est comme ça, Seigneur, nous capables de faire face à lui-même dans la repentance, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, mon papa, non seulement détourner du péché, mais Seigneur, pour nous changer d'avis et changer de comportement aussi, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, mon papa. Oui, Seigneur, aidez-nous, grand Dieu Tout-Puissant, pour nous capables d'avoir une attitude envers l'Écriture. Oui, Seigneur, parce que parole nous fait nous connaître, grand Dieu Tout-Puissant, que Paul t'écrit à Timothée dans 2 Timothée 3 verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile, oui, pour capable et enseigner, Seigneur, oui papa, pour capable, grand Dieu Tout-Puissant, grand Dieu Tout-Puissant, convaincre, corriger, oui, et instruire dans la justice, Seigneur, bon papa. Fait que nous capables de pratiquer parole là dans la vie, nous, grand Dieu Tout-Puissant, bon papa. Car parole, ou, Seigneur, c'est vérité. Il forme nous, Seigneur. Il change nous, il régénère nous, grand Dieu Tout-Puissant, bon papa. Par la lumière du Saint-Esprit, Seigneur. Nous, oui, grand Dieu Tout-Puissant. Fait que nous capables d'avoir une très bonne relation, une très bonne conduite, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, pendant que nous trouvons nous dans l'épreuve. C'est pas parce que nous dans l'épreuve pour nous pas qu'à gagner une bonne conduite, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, avec les prochains, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, bon papa. Merci, Seigneur. Merci, grand Dieu Tout-Puissant, bon papa, pour parole. Oui, Seigneur. Fait à partir de maintenant, grand Dieu Tout-Puissant, nous capables, grand Dieu Tout-Puissant, appliquer, Seigneur, ça que nous sautons, partager la grand Dieu Tout-Puissant dans la vie, nous, Seigneur. Et chaque monde qui trouve dans une situation, Seigneur, dans une crise, dans une épreuve, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, bon papa, pour être capable d'appliquer le son ça dans la vie, et c'est comme ça, nous capables de gagner de très grands changements, Seigneur. C'est comme ça, nous prions dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Mes chers amis, nous sommes contents pour nous être capables là ensemble avec vous et méditer la parole de Dieu. Merci, merci. Et bien, et nous cassons rendez-vous pour demain, si Dieu veut, à même l'heure, et 7h pour 7h30. Et ou même qui pourquoi abonner sur notre chaîne de YouTube pour capable faire ça. Et nous avons une page Facebook aussi, ou capable visiter nous, Instagram et Twitter, si vous même vous intéressez à bagage ça. Et bien, merci, merci, parce que vous avez pris un petit temps pour méditer ensemble avec nous. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu fortifie, passez une très bonne journée. Bye bye.